MCO! Voici Captain Fred, et c'est plus connu sur le nom de Champion MCO. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Dans la dernière vidéo, nous avons pas fait grand chose malgré tout. Dans la dernière vidéo, on m'a dit qu'en commentaire, certaines choses, dont ici, ce que j'utilise, c'est Simu. Parce que j'avais des attentes aux droits d'auteur. Bien dans tout ça, c'est comme pas à cause de Simu que j'ai les promis des droits d'auteur, c'est. C'est beau ça. Hein? On va se suicider, quelque chose. C'est pas à cause de Simu, c'est vraiment. À cause de la musique, puis l'audiovisuel. On va voir ce que ça va donner. Finalement, j'avais pas vraiment cherché. J'ai regardé vite, puis j'ai pas pris le temps de regarder dans le fond. C'est pour ça que maintenant il est en plein écran. Bonne nouvelle! Si je l'ai pas déjà, vous l'avez pas entendu dans une autre vidéo. Bonne nouvelle! En ce moment, je filme avec une nouvelle carte graphique. Malheureusement, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'avise. Ma carte graphique de GeForce, GeForce GTX Titan, mais malheureusement, lâché. Malheureusement, elle fonctionne encore, mais plus aussi pour ce que j'ai de besoin. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai si vous le demandez? J'ai une GeForce GTX 1070. Que oui. On est maintenant dans la série 1000. Dans du beaucoup plus récent. Il est probablement plus performant que la carte graphique que j'avais avec le Titan. Le Titan, c'est, je vous rappelle, c'est une première génération dont sa date est de 2013. C'était quand même un peu vieux, on pourrait dire ceci. Mais maintenant, j'ai du 1070, c'est pas formidable. Mais ouais, il est 3 ans de garantie. Ça, c'est le fun. Par contre, j'ai pas eu le choix d'en acheter un. Parce que, justement. Il m'en fallait une si je voulais faire des vidéos, bien évidemment. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai pas eu le choix de. Ça, safety, j'ai des vidéos dont je n'ai absolument pas le choix. D'avoir une carte graphique puis une bonne. C'est simple, de toute façon, même si j'aurais pas acheté une nouvelle carte graphique. Oups. Même si j'aurais pas acheté une nouvelle carte graphique, j'aurais juste pour le défichage, puis c'est tout. Puis pas utiliser l'ordinateur. Quel beau coup. Oh, on va les plus accessés. Voilà. Hey, t'as pas le droit de prendre ça. Je te le dis. Ah, toi par contre, j'aime bien ceci. Une raison, je savais qu'il y avait ça, juste pour vous dire.
La raison à laquelle pourquoi je suis ici. Juste pour une chose en particulier. Parfait, des flèches. Qui est ceci? Non, pas ça. Voilà. Je venais surtout pour ceci, piment. Parce que je vais en avoir de besoin. De ces piments. J'ai vraiment tombé en bas. Je le combattre encore. Ah, de l'endurance. Juste le fun. Bon, c'est tout. D'accord. Bon, je suis déçu. Bon, allons attaquer là-bas. Maintenant. La quête là. Ou se mettre attaquer là-bas. Puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je vais m'allumer une torche. La torche, je l'ai pas pour rien. Je vais m'allumer une torche parce que je vais en avoir besoin pour me garder au chaud. Et ouais. Et puis je vais me... Puis aussi, je vais faire la cuisson un peu pour avoir de la viande qui me tient au chaud. Je me demande une question, comment ça croupit? Moi je joue avec une manette. Pour vous dire, je joue pas avec le clavier. Voilà. Ouais, il reste encore ceci, au moins. Voilà. C'est gros. Comment? Est-ce que ça a été enregistré? Je veux pas me retourner à l'autre bout du monde. Ah, je recommence. D'accord. À faire attention cette fois-ci. Voilà. Bon, ouais, j'ai eu. Mais je vais mourir pour l'avoir. Voilà. Voilà. Ramasser. Et allons ramasser. On va dire. Le précieux. Plutôt. La question est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas grand chose. Honnêtement. So. On va jeter ça, quand même. Voilà. On va prendre la qualité et non des cochonneries. Pour ensuite prendre ceci. Écoute ça. Ah! Ah oui, c'est vrai. Il y a une stratégie, c'est poignée.
pogner ça pour récupérer les flèches, c'est vrai. J'ai complètement oublié cette stratégie-là. Disons, j'ai pas oublié vu que j'y pense, mais quand même. C'est chaud, ouais, il fait frette. Mais je vais contrer ce phénomène aussi simple que cela. Est-ce que je vais faire ceci? L'action que je viens de faire. Voilà. Je vais faire. Oups. En même temps, qu'est-ce que je veux faire? On va faire cuire les choses avec ceci. Et au moins que je vais juste saut. Oui, et j'ai juste saut. Qu'est-ce que ça va donner? Ça c'est bon pendant 3 minutes que nous allons prendre. Je sais qu'il y a une cabane à quelque part. La cabane, on va dire de la personne mystérieuse. Moi, pour vrai, je sais. Qui vous pose? Si vous pensez que je sais pas c'est qui, c'est qu'est-ce qui fait ça, vous détrompez-vous parce que je sais très bien c'est qui. C'est simple, j'ai vu la série au complet avec Bob Lennon. Probablement il est là. Dans ce coin-là. Parce qu'il y a une recette que je vais peut-être faire, c'est avec ceci. Au pire, dans le pire des cas, j'irai après, plus tard. Peu importe, là. Mais si vous ne croyez pas de l'efficacité, je vais vous le démontrer. Que c'est vraiment. C'est sûr que. Il marque une F. Hein? Que j'ai même jamais utilisé. Qui est intact. Mais dans le fond, je sais pas combien de fois. Parce que c'est pas fait pour une épée, c'est fait pour une torche. Mais pour certaines personnes, on peut toujours utiliser pour une épée. Juste pour s'en débarrasser. Sans le gaspiller. Toujours du stock de plus qui vont servir plus tard dans l'aventure. Puis cette série, qu'est-ce que je risque de faire? Probablement, ça risque d'être fuck. Bye-bye. Qu'est-ce que ça risque d'être la série? C'est pas parler, oui, parler de comme d'habitude, tout le temps. Ça change pas. Qu'est-ce que je vais parler, c'est tout simplement tout ce qui est l'actualité, d'une certaine façon, de ma chaîne. Qu'est-ce qui en est par rapport à ma chaîne et toutes les quêtes. Mais ça sera en principe, vous pouvez dire quelques commentaires par-ci par-là. Mais sinon, qu'est-ce que je risque de faire, ça sera la série, ça sera plus une étoile filante. Qui est très qui peut être utile. J'espère que je suis assez rapide.
L'étoile filante, c'est bien beau qu'elle soit là, mais elle a un petit problème. En plus, ça approche. J'ai pas la parole. C'était plus. Ah! Ok, je suis pas blessé. Rire. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va aller en haut, par là-bas. Ensuite, on va revenir pour aller. On va aller au kill room. Et ensuite, on va aller au mauve. Parce que c'est comme ça. J'ai décidé ça ainsi. Bon, à partir de maintenant, mangeons. Ah, ça va. Ça ressort de. Ça restaure de au plan chemin plutôt. On peut toujours se faire mal demain. Allez, c'est un demi à chaque fois. Plus qu'un feu, je sais. De bien poigné, ça c'est parfait. Ouch. C'est parfait comme ça. Ici, oh, nous avons une flèche, c'est bon. Maintenant, allons manger un tout petit peu. Bon, résistance améliorée pendant 3 minutes. Il n'y a plus rien là. On y va au prochain. C'est bien, je vais pour autre chose. Là, on est correct. Ah! C'est pas sérieux, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Oh, on recommence, on n'a pas le choix. J'espère que je vais pas perdre mon ordre. Non. Deuxième essai. Qui va sûrement être la bonne. Hein? Bien. La résistance est inutile. Tant qu'à avoir les épées, avoir des bonnes épées hein, tout le temps, je suis bien de prendre des épées si masse, si je me trompe pas. Bon, allons au suivant. On va en profiter du temps parce que vraiment ça va être nécessaire. Je crois le plus fait. Bon, je vous laisse. Puis on se retrouve là-bas. 10, 9, 8, 7. Ouf. 2, 1. J'ai de la chance. J'ai chaud. À peu près, ça y était. La plus de. J'ai perdu. 3 minutes s'est écoulé. Mais comme il faut. Je peux vous le dire.
Plus que ça sert à rien fait. Je vais reculer pour être sûr. Oups. Bon, au moins c'est pas plus grave que ça. Utiliser. Allons ici au temple. Tout est toujours là. Je voudrais ça qu'elle soit encore là après la parabole. Bon, activons les mécanismes. Bon. Mettons la goutte comme que Bob Dylan dit. C'est la glace. Je suis sûr certain que c'est la glace. Je le savais. Je vous l'avais dit. Voilà. Si simple que ça. Voilà. Tiens toi. On va sauter haut, hein, si on fait un point ressort. Oh. Voilà. Ouais, passage, je trouve, croyez-moi pas, à un moment donné, j'ai mis la glace, puis je voulais passer de l'autre côté, puis je suis d'abord. C'est le plus. Ah, c'est le début. Pfff. Je vais complètement voir. Descendre chercher autre passage secret. Regardez-le ça. Mais c'est bon de savoir que même que j'aurais. On m'avait averti d'avance la carte graphique là. Je pense à ça. Tu sais, il y avait du noir ici, là, ou que cette affaire-là. Puis, c'est peut-être signe que la carte graphique était avec de l'enjeu. Probablement, c'était ça, un signe. Parce qu'effectivement, elle m'a lâché. J'ai pas porté attention, je me suis dit, oh, c'est le jeu. Ben non. Dépêchons-nous! Ça fait mal. Voilà. Ah, j'ai une lance! Ah, c'est bien que j'ai une lance, honnêtement. Prends pas de temps.
Ça me prend vraiment peu de temps avant que ça arrive. Plutôt que ça tombe. Pas prévu, mais tombe. Un robot. Je ne sais pas. Maintenant, allons au monde. Ceci va terminer. Ben, ça va donner faire un fait que je vais avoir la paroi. Mais la paroi, j'ai quelque chose à faire, me semble, avant d'avoir la paroi là. Que vous allez voir si vous ne le savez pas. Mais, comme j'ai dit ça, vous savez sans de vous. Bah, je vous dis que vous savez, moi je sais de vous, mais vous, je sais pas si vous savez. Si vous savez pas, vous allez savoir. Probablement la majorité du monde qui regarde cette vidéo-là, probablement le déjà vu, ou joué, peu importe, ou les deux. C'est des possibilités. Par là, pas sûr. J'ai pris le chemin facile, le chemin tout court, qui est un peu accidenté. Bah non, c'est pas le chemin là, à peu près. Voilà. Et là, le défi est de descendre. Là est le défi. Est-ce que je vais y arriver? Là est la question. Bien sûr que oui, je vais y arriver. Parce qu'il est juste là. Descendre. Voilà! Marteau en fer, ça ce qui va être très utile. Parfait. Ici c'est pas mal ça. Voilà! On est arrivé! Un point crucial, selon moi. Et nous allons débloquer encore un module, si je ne me trompe pas. Si je peux aussi passer ceci, qui va aller légèrement plus rapide, plus vite, puis moins de montage à faire, parce que c'est ça. Oui, magnétisme, ça c'est arrêter les objets, oui. Je n'ai pas besoin de l'avoir, il est déjà arrêté. Le module va tout arrêter. Je pense toujours à chaque fois, et moi là en ce moment, à chaque fois, là, ça va être comme ça tout le long, à chaque fois que je pense toujours à Bobline et que ça goûte. Ah! Je pense toujours à lui, c'est incroyable. Ah, c'est ça. Voilà, c'est fini. On va se... Voilà, c'est si simple que cela. On va faire de la même.
est lent par contre. Pousse de péché pour pouvoir accepter ce coffre. Pas cette place. Je ne sais pas quoi jeter par contre. Ah, un plus, yeah, c'est bon ça. Il m'a donné un... Ça, c'est juste pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci qui touche bien. J'ai besoin de sauter et tout. J'ai besoin de mini moi avec ça. Ça a eu de l'effet quand même. Juste une petite avale de un coup, ça a eu de l'effet quand même. Et le quatrième emblème du triomphe obtenu. Et je vous laisse deviner la suite. Qui est un peu logique, à mon avis. Ah, c'est vrai, c'est... Pourquoi je fais A? C'est pour le fun. Voilà. Que je disais, c'est lui que je veux que vous vous définiez. Tu as besoin d'emblème du triomphe de toutes les sanctuaires du plateau. Ah, tu as obtenu. Ah, c'est ma dyslexie. La maman est donc venue, Link. Il est temps que tu connaisses la vérité. Tout d'un coup. Oh, je l'avais utilisé les jours, je ne sais plus. Repère les 4 sanctuaires sur la carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de la croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Eh, comment qui est fait? Je ne comprends pas. Je suis vraiment, je vais refaire le chemin inverse. Faudrait être assez fou pour le faire. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont assez fous pour le faire. C'est téléporté. Est-ce qu'il y a une téléporte en avant? Ça, je ne sais pas. Un peu de jardinage. Bon. Je vais pour le complet. Ok, un carrière. D'accord, c'était ma question. Ok, donc cela m'a répondu. Et une autre de mes questions. Où est la cabane qui... Est-ce qu'il est là? Je dirais qu'il est dans ce coin-là, je sais qu'il y a une autre affaire... Moblin. Je dirais qu'il est dans ce coin-là. Où? Je dirais que ça serait supposé être visible. Je sais pas. J'ai pas besoin, je suppose, j'ai pas besoin de faire une croix, c'est cette église du... Ah, c'est si simple que ça. Bon, pour ceux qui savent pas, vous connaissent pas l'histoire, c'est sûr que vous faites une croix, puis ça mène là. Mais sinon...
vache. Et là, depuis combien de temps? Tu... Youpi! J'ai-tu pas pris dans la dernière vidéo? Serait-tu une possibilité? Par hasard? Que j'ai oublié de prendre ceci? Oups! Il y a des choses qui est là, ça c'est sûr. On va y regarder après. Pour continuer, mais poursuivre l'histoire. Tom, c'est encore là. Il est disparu. C'est sûr qu'il reste éternellement. Y'a rien. Ouais! Mais je suis fâché, moi. J'en ai juste trouvé un seul, un affaire, pis c'est tout. Donnez-moi en plus. Mais c'est... Oh, y'a un coffre. Arc, là, tu vois, y'a le pierre. C'est bien, je savais même pas qu'il y avait un coffre, là. C'est autre chose? Ok. La déesse, il y a... est très éblouissante en ce moment. Je ne l'ai jamais vue aussi éblouissante. C'est moi qui cherche mes mots. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenir des emblèmes du triomphe. Je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? De la vie. Non. Tu souhaites recevoir le spectacle de vie? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Moi, comment que je vais fonctionner, je vais en prendre 4 autres qui vont être après avoir vaincu les 4 gardiens. Va et ramène la paix à un héros. Comment que ça fait si on vous attend en haut? Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'est rendue plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Là, je le fais direct. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, dépêche-toi. Tranquillement. Moi, j'ai... Non, dépêche-toi si tu veux. C'est quoi? Oh.
Qu'est-ce qui est bien, c'est que ça prend même pas notre rang, ça. C'est bien, ça. Vous pouvez rester là une éternité sans problème. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que les fêtes bougent en haut? Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans. À l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenu sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un pro-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon.
Le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé, puis prends la route qui part vers le nord. Ben, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Enfin, à votre style. Le thème de ça que même dans d'autres jeux, que... pourquoi on n'a pas ça? Exemple, Minecraft. Grâce à... Ben, c'est sûr qu'il est grâce, mais ça je comprends pas. Grâce à elle, tu vas pouvoir te lancer depuis les falaises de ce plateau. Même si, mais... Pour petit point. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre. Je le crains. Je compte sur toi, Link. Bon. Il est parti. On a quelque chose à faire en haut de cette de ce clocher. C'était noir. Noia. Ok. Mais attends, tu peux me voir. Je suis un corogu. Une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noia, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Au fait, mes amis adorent se cacher. Et vraiment n'importe où. En plus, un peu comme toi, en fait. Si un autre... Ok, laisse ça. J'aurais été...
Ça semble suspect. Il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Nous allons aller. Ah oui. Il est tombé par là. Mais il n'est plus là. Dommage. Mais vraiment dommage. Non, c'est vrai. Faut faire attention. Faut faire attention à ces machines. Ah, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Là, c'est sûr que la série, c'est pas une série les plus intéressantes des fois. Cette série, c'est une série auquel que ça se pourrait que c'est une série que je prends sur relax, honnêtement. Très peu de montage, oui, c'est sûr que je fais du montage, mais... Une série relax. Je sais ce que vous dites. Relax. Non, ça se pourrait que des fois, à partir des prochaines vidéos, je sais pas pourquoi j'active ça. Mais ça se pourrait que... Très bien que... Que je laisse le jeu rouler sans que je parle. Vous allez apprécier ces moments merveilleux de ce jeu. Qui est The Breath of the Wild. Puis je suis capable de deux à Breath of the Wild. Mais c'est comme ça. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Oui, mon navire, oui. Mais sur le navire de l'Est, qui voudrait pas faire abaser. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Peut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Puis on va s'amuser dans la prochaine vidéo. Garantie. Il y a intéressant. Oh! Ben oui! Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Les roches. Qui est juste là. Tu marches? Elle meurt. Oui! Dans une feuille qui m'a trouvé. Moi, faut que j'aille là, à cette tour, pour ouvrir la voie. Je me suis complètement trompé de bouton. D'aplomb. Je pense que c'est une petite plateforme pour me reposer. Mais non. Ça, oui, par contre. Bon, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On va se rendre jusqu'à là-bas, puis après ça, on va se laisser. Bon, maintenant. Ce qui est dommage avec ce jeu-là, là, c'est qu'on peut pas plonger. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Qu'il ait la possibilité de plonger. C'est pas partout, mais qu'est-ce que c'est pas profond, du moins.
citation de Bob Lennon. La goutte, la goutte, la goutte, la goutte. Et pourquoi quoi? Ah, Bob Lennon. On peut dire qu'à certains points, nous marque à vie. Nous marque tout simplement pour certains jours. Détecteur générique. Tant que je m'en foutais un tout petit peu. Ah, pour ça! ça vous réveille sûrement. Je peux arrêter de. On va aller en haut de ce côté là, mais pas tout de suite, car dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis merci à tous.